I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Hello mes chers, alors bienvenue dans ce petit vlog. Je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et en plus, j'étais à Bali. Plusieurs fois, j'ai pensé, je dis, tiens, il faut que je fasse un petit vlog à Bali au moins. Et c'est vrai que je vous ai fait un tirage. Et puis, je vous avoue que le décalage horaire dans le sens inverse, alors pas en arrivant en France, mais dans l'autre côté, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. À chaque fois, je mets une semaine. Donc, je suis un peu en décalé. Je suis pas du tout dans l'humeur de faire des vlogs. Et puis, je suis plutôt dans l'humeur de profiter, de me reposer, de me recentrer sur moi. En plus, cette semaine-là, j'avais pas ma fille, donc voilà, j'avais besoin aussi de lâcher un peu sur plein de choses. Et puis après, j'ai eu ma fille. Alors, ma fille, après, bon, on a fait pas mal de trucs, et puis, bah, les jours sont passés. Les jours sont passés, j'ai pas fait de vlog. Et c'est dommage parce que jusqu'au dernier moment, je me suis dit, il faut vraiment que j'en fasse un. Parce qu'en plus, j'ai des beaux décors. Voilà, j'avais envie d'en faire un devant le Bouddha, là, que j'adore. Et puis, je sais pas comment ça s'est passé, que je me suis arrivée le jour du départ et qu'il fallait partir. Et je me suis dit, mais j'ai pas réussi à enregistrer ce vlog. Bizarre, bizarre. Comme si j'étais sur un nuage, que je planais un peu, que pourtant j'ai été assez assidue parce qu'il fallait quand même que je fasse bien les choses pour le travail. Donc, je checkais mes mails, j'ai pas laissé ma société de côté. J'ai aussi assuré la communauté. Hein, vous savez que maintenant, il y a une communauté Atlante. Donc où je fais des réunions, des cercles Zoom une fois par mois avec des tirages personnalisés, etc. Donc tout ça, voilà, ça fait partie du travail et je me pose même pas de question s'il faut le faire ou pas. Mais c'est vrai que tout ce qui est gratuité autour, bon, bah, ça passe au second plan, forcément. C'est quand j'aime partager que je le fais, je vais pas le faire à contre-cœur non plus. Et du coup, bah, le train est passé et voilà, j'ai pu assurer quand même mon Instagram régulièrement. Mais j'ai été assez laxiste sur YouTube, j'avoue. Alors, il y a un autre truc aussi, c'est que quand je suis en voyage, mon iMovie de mon ordinateur portable n'est pas celui du gros ordi où j'ai déjà tout enregistré, où c'est beaucoup plus facile pour moi de vous faire une vidéo et de la partager. Là, sur le portable, c'est un peu plus complexe pour moi. Donc du coup, j'ai été assez laxiste sur ça, tout simplement. Et bon, j'aurais pu faire des petites vidéos sans montage, comme certainement je vais le faire maintenant d'ailleurs, parce que sinon je prends du temps, faut que je monte. Donc des fois je vous poste directement une vidéo claire, nette, précise, sans générique de début ni de fin, parce que sinon c'est beaucoup plus de temps. Mais voilà, je suis un peu, je sais pas, c'est bizarre que cette vidéo, j'ai pas pu à aucun moment me poser pour la faire. Faut dire que j'avais aussi ce temps pour moi où j'ai eu besoin. Alors j'ai beaucoup médité, j'ai repris un peu le yoga, je faisais du sport et j'ai quand même avancé le nouveau projet d'oracle. Donc j'étais plus focus en fait sur la création du prochain oracle et sur moi en fait, sur moi pour me faire du bien, parce qu'il fallait que ces vacances aussi me fassent du bien. Donc voilà, je suis désolée, j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée. Bon, par contre, je vais vous faire un petit tirage du mois d'avril, là, juste après cette vidéo, je vais enregistrer. Et bon, on va commencer à parler du prochain oracle. Alors, pour ceux qui me suivaient sur Instagram, vous avez commencé à comprendre de quoi il s'agit. C'est un oracle assez hippie 70s. Donc le nom, je l'ai à peu près, mais je vous le divulguerai, je vous le révélerai plus tard. Tant que j'en suis pas 100% sûre. Je vais peut-être faire un sondage, c'est possible, je sais pas. Je sais pas, en tout cas on est dans une ambiance 70s, on est dans un mouvement assez hippie. Toujours pareil dans l'équilibre des choses, parce que le hippie ça peut être aussi assez... too much, dans le côté rébellion, le côté un petit peu trop frivole et un peu trop libertin sur certains bords. Donc c'est pas ça quand même, hein. Donc on est quand même sur un hippie équilibré. Le message de cet oracle, c'est en fait
donc ce nouveau projet qui verra le jour cette année, c'est un mouvement de liberté. Il m'est venu pendant que j'étais dans le van, dans ma van life de cet été. Il m'est venu l'envie de peindre un van, etc. Donc la première, non, la première, je l'ai pas là, je l'ai. La première, je crois que je l'ai là ou pas? Non. La première peinture que j'ai faite, où elle est? C'était un van et ça m'a donné envie. Bon, évidemment, je l'ai pas. Je vous la montrerai plus tard. Ça m'a donné envie et je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas faire un oracle sur le côté un peu dans cette ambiance van life, hippie, 70s, tout ça. Et puis voilà, et ça s'est connecté, mais je sais pas, c'était assez mou, c'était assez tranquille. Et puis, ça s'est un peu précisé dernièrement. Voilà, c'est pour ça que je vous en parlais pas encore, parce que je me laissais un peu porter tranquille. J'avais l'impression aussi que l'univers me demandait de respecter mon rythme par rapport aux autres années précédentes, où quand je fais un oracle, un ouvrage, je suis tellement focus qu'il n'y a plus que ça qui compte. Et j'en oublie mon yoga, j'en oublie mes méditations, j'en oublie tout. Et là, c'était un petit peu comme si le message était respecter son rythme cette année. D'ailleurs, je vous ai fait quelques podcasts l'année dernière là-dessus. Je crois que j'ai fait quelques posts. J'en ai parlé aussi dans la communauté où vraiment il y a cette idée de respecter son rythme. Et c'est ce que j'ai fait à travers cet oracle. Donc j'ai vraiment peint quand j'étais dans l'énergie de ça, donc souvent dans le van. Et là, à Bali, ça s'y prêtait aussi. J'ai pas fini du tout, donc je vais quand même continuer ici à faire les cartes. Il y a à peu près une vingtaine de cartes de fête. Je pense que c'est un oracle où on sera entre 38 et 40 cartes. Voilà, autour de ça. Un petit oracle, ça sera un petit oracle. Donc pas du tout dans les gros bébés, mais plutôt un petit. Et je pense qu'on sera, voilà, ça sera à peu près ce format-là. Donc vous voyez, lui, c'est un petit oracle. C'est un petit oracle, vous voyez, par rapport à la main. C'est un petit oracle. Et j'ai envie de faire quelque chose qui change de tout ce que j'offre. Et un petit format, c'est sympa aussi. On peut le mettre dans le sac rapidement. Surtout qu'avec cet oracle donc du hippie, je vais du 70s rétro hippie. appelez-le comme vous voulez en ce moment. Mais en tout cas, il y aura une pochette de fête, pochette hippie, où vous pourrez mettre votre petit oracle dans votre pochette et dans votre sac, tout simplement. Donc voilà, les cartes, elles sont petites, hein, elles sont pas très grandes, vous voyez. Et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal, donc je pense que je vais rester là-dessus avec un petit livret. Donc un oracle assez basique, enfin basique, j'aime pas trop ce mot-là, mais dans le format assez... voilà, pas des trucs qui sortent trop de l'ordinaire. Et un passe-partout sur tout ça. Donc voilà, ça c'est l'idée. L'idée de cet oracle aussi, c'est de vous exploser de couleurs. Donc il est plein de couleurs. Et donc je pense que c'est un oracle que je vais avoir plaisir à partager là pendant ce printemps. Puisqu'on a besoin de couleurs, on a envie de couleurs. Donc j'ai déjà partagé sur Instagram quelques esquisses, vous avez par exemple celui-là que j'ai partagé qui va être fini, il n'est pas fini, voilà. Celui-là que j'ai partagé qui va être fini sur ordinateur, parce qu'il y a des... En fait, c'est un oracle que je fais en moitié acrylique, moitié aquarelle, je mixe un peu les deux, et aussi à l'ordi, parce qu'en fait, il y a des couleurs qui ont besoin d'être plus à plat, un peu comme l'acrylique ou la gouache, mais qui sont parfaites avec l'ordi en fait, où il n'y a pas de traces ou quoi que ce soit. Du coup, il y a des choses que je reprends sur l'ordi en fait, pour finaliser. Voilà, pour finaliser la peinture, je la finis des fois sur l'ordi. Vous avez vu ça, vous avez vu celle-là aussi. Vous avez vu celle-là sur l'ordi. Alors, pas sur l'ordi, sur Instagram. Sachez qu'il y a des fonds, en fait. C'est pas un fond blanc. Ça sera pas un fond blanc. Il y a toujours un fond. Donc, c'est vraiment full color, quoi. Donc, je vais vous montrer les fonds aussi. Donc, celle-là, par exemple, il se peut, rien de sûr encore, hein, parce que moi, je fais des essais. Après, je vois ce que ça donne sur l'ordi. Mais il se peut que le fond soit celui-là. Voilà, j'ai fait celui-là de fond pour éventuellement cette carte-là. Vous voyez ?
Donc il y a des fonds très colorés, je vais vous en montrer. Chaque carte, enfin pas chaque carte, il y a des cartes qui ont le même fond et d'autres cartes qui ont d'autres fonds, pardon. donc ça dépend, je prends le tel fond pour telle carte, voilà. Je vois, mais c'est, vous allez retrouver par exemple, le, voilà, on a ce fond-là, soleil bleu, jaune. On a celui-là. Vous voyez l'ambiance un peu. Hein. Celui-là, alors je l'adore parce que celui-là, il rend super bien sur l'ordi. Bref, ça fait un peu fade à la caméra, mais en vrai, il est vraiment beau sur l'ordi. En fond, j'ai fait que cela pour le moment. Bon, ça fait 4 déjà. On verra au fur et à mesure de l'avancement. En tout cas, les fonds, voilà, sont assez pétards. Donc, par exemple, celui-là, on peut le retrouver sur plusieurs cartes. Hein, c'est pas forcément un fond par carte. C'est pas possible. Et puis, ça serait un peu trop. Donc, c'est bien de retrouver un petit peu des fonds similaires. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc c'est plein de couleurs. J'ai vraiment envie de couleurs. On change, on sort un petit peu du contexte terre, couleur terre, de toute la collection Opal, hein, qui quand même, c'est, ça fait 2 ans que j'étais dedans. On revient un petit peu sur des couleurs un peu plus flashy. Donc attendez, qu'est-ce que je vais vous montrer ça? Vous en montrerai d'autres. Là, j'ai encore un fond, par exemple, à faire. Vous voyez, un fond. Là, il n'y a que le dessin, mais je vais faire donc un fond de carte ici. Je vous ai montré... celle-là, je ne l'ai pas montrée encore. Je vais la montrer sur Instagram bientôt. Celle-là. Alors, celle-là, c'est voir la vie en fleurs, quoi. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle a les yeux en fleurs. Il y a un texte, donc, en lien avec ça, pour voir la vie tout en fleurs. Là, celle-là, vous l'avez vue sur Instagram. Je l'ai faite aussi à Bali. Tout ça là, je les ai faites à Bali. Ah oui. Bon, alors, j'espère que là, il y aura quelques petites retouches parce que moi, je suis... Des fois, la peinture sèche pas assez. Puis après, bah, je mettais ma main, puis paf, ça bavait. Enfin, je me suis un peu pris la tête. Du coup, bon, ça va, je répare après les petites retouches sur ordinateur. Mais je suis assez contente de ma libellule. Donc, il y aura aussi une libellule. Voilà, il y aura aussi une libellule avec un fond. Donc tout ça, après, je vous montrerai sur l'ordinateur l'avancement. L'idée de... Vous avez peut-être vu la guitare aussi. Je ne sais plus trop ce que j'ai montré ou pas sur Instagram. Qu'est-ce qu'on a que je peux vous montrer? En tout cas, l'ambiance, elle est vraiment là. Elle est vraiment là, l'ambiance. Voilà. Alors, il est coupé, c'est fait exprès. Il y a le... Si je me rappelle bien, un gros soleil, là, en fond. Et ici, il y a des lettres écrites « Let's go ». Il se peut que je le change au dernier moment. Let's go, parce que ça veut dire avancer. Alors, la plupart des mots sont en anglais. Pourquoi? Parce que déjà, bah, souvent, dans ce côté hippie, tout ça, on utilise souvent des mots anglais. Donc, ça, c'était la première idée. Et ensuite, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que je vais le faire, c'est qu'il sera bilingue, c'est-à-dire anglais-français, tout simplement, sur le même oracle. Donc, c'est bien que les mots soient en anglais aussi là, puisque plus de monde parle anglais que de monde parle français. Donc, voilà. Et puis on est tous à même de comprendre good vibes, relax, victory, voilà, c'est des mots quand même faciles, love, donc c'est des faciles, c'est vraiment des mots faciles, même pour ceux qui parlent pas anglais. Donc voilà, l'esprit il est là, il est dans cette carte là, on sent tout de suite, voilà, on est sur un mouvement cool, on se prend pas le chou. C'est un petit peu le message de cet oracle, c'est vraiment ok, j'ai besoin de vivre à mon rythme. Et c'est aussi le message d'être libre d'être soi, d'être libre de ses choix, d'être libre de vivre où on a envie, d'être libre d'arrêter de se mettre des barrières. En fait, c'est un oracle en fait, qui pousse les croyances limitantes, qui les met à la poubelle directement et qui vous dit « Sois libre, tu veux chanter et danser, mais vas-y » extériorise-toi, quoi, en fait. C'est ça, un peu, le message de l'oracle. Et c'est aussi... j'ai des idées, je les assume. Je suis libre de penser ce que j'ai envie. Je suis libre d'exprimer ce que j'ai envie, même si c'est ma vérité à moi, qu'elle n'est pas forcément la vérité universelle. Peu importe, j'en suis là aujourd'hui. Je l'exprime. C'est ma personnalité du jour. Donc, en fait, c'est un oracle vraiment qui vous aide à être vous-même. Et ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on, de ne pas avoir peur de l'a priori des gens, du jugement. C'est quelque chose qui nous sort de tout contexte critique.
critique et qui nous met dans des cases. Voilà. Donc c'est un oracle en fait qui pousse les barrières et qui. J'avais posté sur Instagram, j'avais marqué nouveau mouvement. Ça voulait dire ça, c'est que c'est un oracle qui vous emmène dans un nouveau mouvement, ou du moins un mouvement hippie qu'on a connu, mais voilà, avec le respect de chacun, avec un petit peu peut-être plus de règles quand même, puisque c'est pas tout envoyer bouler non plus, mais c'est quand même à un moment donné arrêter de se laisser faire par une société qui nous opprime et qui veut bien nous faire croire des choses qui en fait n'existent pas forcément, ou qui va des croyances qui vont nous abaisser vibratoirement. Et du coup, plus on vibre bas, plus c'est la cata. Hein. Donc ça, je vous l'ai souvent dit. Et le but de cet oracle, c'est de vous faire vibrer haut. Comme tous les oracles que je fais, à vrai dire. En fait, c'est un peu ma mission, je crois. Donc tout ce que je crée est dans ce but de vous faire vibrer haut. Et c'est tout le but de la communauté que j'ai mis en place, d'ailleurs. Mais cet oracle, voilà, va vous aider dans ce sens. Alors, je suis assez contente parce que c'est un oracle qui change de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Qui aura donc des petits textes, ça sera pas très long, ça sera un petit livret, hein, très simple, et avec un petit texte par carte. Voilà, un petit texte de compréhension. Donc, on sera amené à faire des vidéos où je vous lirai quelques exemples. Donc, un petit texte d'éveil de conscience dans le je suis. C'est-à-dire que chaque texte, c'est je suis nana, je suis nana, pour intégrer. Il y aura aussi quelques mots-clés. À la fin de ce texte, il y aura tirage de points et les mots-clés pour qu'on puisse l'utiliser en tirage. Donc, principalement, c'est un oracle de message, mais vous pourrez aussi l'utiliser en tirage. En tirage, peut-être pas principal, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre tarot ou votre oracle de tirage habituel, mais en doublant avec. C'est-à-dire que c'est un bon appui de tirage. Il va être très intéressant sur ça. Et donc, je vous ai mis des mots-clés si vous voulez l'utiliser en tirage. Donc, chaque carte composera aussi non seulement sa petite phrase d'accroche, son texte d'oracle, mais aussi ses mots-clés pour un tirage. Donc, on pourra l'utiliser comme on le veut. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. On est dans les good vibes. Voilà, je suis à fond dans les good vibes, quoi. Avec cet oracle, c'est clair, net et précis. Donc bon, je vous montre pas tout maintenant. Bon, il y en a une que j'aime bien. Mais je vais vous la montrer. C'est Love. Voilà, je l'aime beaucoup. Je crois qu'elle a le fond, je crois, si je me rappelle bien, parce que là, j'ai pas regardé depuis que je suis rentrée de Bali, ce que j'avais fait, mais il me semble que j'ai mis ce fond-là, le soleil, ce fond-là, derrière. Voilà, donc ça avance, je suis assez contente. C'est tranquillou bilou. Et en même temps, je suis dans un autre rythme pour cette création-là. C'est différent. C'est différent et je le respecte. Et en même temps, il me donne de la joie au cœur, cet oracle. Et en même temps, il m'apprend à lâcher prise, à prendre le temps. Donc, je pense que c'est tout le message de cet oracle, puisque à chaque fois que je crée un ouvrage, je traverse ces énergies. Donc là, les énergies traverses, c'est vraiment ok. Il faut aussi prendre soin de soi et qu'en fait, prendre soin de soi est aussi important que le reste. Donc oui, le matin, en ce moment, je suis pas hop à m'asseoir tout de suite sur l'ordi, bien que des fois je le fais quand même. Mais c'est me poser, faire ma salutation au soleil et me faire un jus frais maison, prendre mes petits compléments. C'est vraiment, je me prends voilà 15 minutes le matin pour moi, clairement. Et là, je me suis inscrite au yoga parce que d'avoir repris le yoga à Bali, bah, ça m'a redonné envie de m'y mettre quand même plus assidûment. Et quand je fais chez moi, bah, je suis un peu laxiste, je fais 15 minutes et encore. Donc là, je me suis dit, allez, je vais m'inscrire. Donc j'ai fait un cours là sur le village où je suis et j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, c'est à côté de chez moi. Donc du coup, je vais m'y mettre, je vais m'inscrire. Et voilà. Donc, et puis c'est pareil, ça aussi, financièrement, souvent on se dit, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas forcément fait, parce que bah, financièrement, c'est toujours un coup en plus, faire du yoga, faire ci, faire ça. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, c'est une priorité, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie du vital. Donc après, ça dépend de nos choix et de ce qu'on veut, bon, bien sûr.
C'est pas toujours évident pour tout le monde, mais c'est vrai que voilà, il y a des choix où moi, par exemple, c'est plus important de mettre dans la santé, d'aller me faire des soins énergétiques, d'aller me faire des soins qui sont importants pour ma santé. De payer pour ça, pour me sentir bien, et plutôt que aller me payer des restos ou quoi d'autre, des cinémas ou des choses que c'est pas ma priorité. Voilà. Donc ça dépend de vos priorités aussi et de vos envies surtout. Faut pas vous forcer, hein, mais voilà. Donc la priorité là, c'est le bien-être et donc le yoga. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, j'avance doucement. Je pense que là, je vais un petit peu plus avancer pendant le printemps pour pouvoir vous proposer plus de contenu, en tout cas, de penser à vous filmer les peintures. C'est pas toujours évident. Là, je vous ai mis en début de cette vidéo, je vous ai mis moi en train de justement dessiner à Bali, mais c'est tout. Donc voilà, il faut vraiment que je pense, mais ça aussi, il faut penser à filmer, c'est pas toujours évident pour moi. Voilà, en plus il faut que je déménage tout à chaque fois sur le bureau, parce que c'est le même endroit où je fais les cartes, les tirages et la table de dessin, donc à chaque fois que je déménage, c'est pas toujours évident. Voilà, bon bah sur ce, je vous fais un gros bisou, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour le tirage du mois d'avril. Bisous, bisous! I may not always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Show nothing to me. So what good